on se retrouve pour la suite du let's play de Far Cry avec une nouvelle mission. Donc d'ailleurs première mission qui va être dans la nuit, qui s'appelle générateur à vapeur. Donc c'est parti. Alors la mission avait commencé assez forte dans la dernière vidéo où je me suis fait tirer tout de suite dessus parce que j'avais, on va dire, perdu trop de temps à vouloir parler de Val. Donc du coup cette fois-ci, voilà, il n'y aura pas le bateau normalement qui va me tirer dessus et on va directement attaquer la mission. Alors cette mission là sera assez longue, hein, parce que dans mes souvenirs elle est assez longue, d'autant plus qu'elle est aussi assez difficile. Donc je vais essayer de faire en sorte à ne pas trop crever, bien que ça semble déjà mal parti. Ok, je suis dans la merde. Ok, je suis plus dans la merde. Ah putain, il n'y en a jamais deux. Voilà, bon, normalement le ménage est fait. Voilà, donc on va vite constater que la nuit est quand même un élément de gameplay assez, on va dire, important, hein, notamment dans l'utilisation de la lampe. Oui, l'utilisation de la lampe, oui, la lampe que je n'ai jamais utilisée, que je n'ai jamais cherché à comprendre, je vais peut-être l'utiliser. J'en sais rien en fait, très honnêtement. Ah. Il y a un petit camp pas loin de vous. Je sais que le commandant qui le dirige a des lunettes de vision nocturne. Bah voyons. J'aurais besoin pour vous déplacer dans le régulateur. Bah voyons. Jusqu'à présent. Voilà, ça c'était le fameux bateau qui nous tirait dessus, donc on va essayer de pas se faire repérer. Ah voilà, ouais, je me disais bien, c'était vrai, j'ai l'impression d'être à plat ventre quand je fais ça en fait, je sais pas pourquoi. Première sauvegarde automatique, donc c'est parfait. Alors par contre, je regardais, est-ce que... Non, 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 c'est vrai qu'il n'y a pas de silencieux dans ce jeu. Peut-être cette arme-là, mais très honnêtement, je ne suis pas convaincu. Finalement, c'était rien. J'ai vérifié. Et quand t'as vérifié, s'il y avait vraiment eu un problème, t'aurais fait quoi? Ah bah, j'aurais dit quelque chose. Et ça aurait été trop tard, triple idiot. Ah putain, j'adore les conversations, même si j'ai pas tout entendu. Donc je vais essayer d'agir de manière discrète, parce que je sais que cette base est assez chaude, parce que notamment il y a des mecs... Vous avez entendu ça? Oui, 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 je sais, non mais dites rien, c'est bon. J'ai dit que j'allais agir de manière discrète et... Mais bon, vous me connaissez, hein, moi et la discrétion... Ouais. Oui, oui, j'ai aucune précision. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais il me faut 30 balles, quoi. Bon, voilà. Alors, c'est parfait, la mission commence très bien. J'ai plus de PV. Je me fais tirer dessus. Je sais pas par qui. C'est la folie. Bon, voilà. Une sauvegarde automatique. Comme ça, si jamais je décède... Alors à mon avis quelqu'un m'a repéré mais il me voit plus maintenant donc ouais voilà. Alors très honnêtement je ne sais pas où je suis là. Ah d'accord. Alors d'habitude je ne monte pas par cette montagne pour y aller mais bon. On va pas s'en plaindre. Donc voilà, alors c'est le fameux camp dont parlait Doyle. Déjà l'armure, voilà. C'était quoi ça? Voilà. Allez hop. Suivez la route dans la jungle. J'ai placé un repère sur votre GPS. Vous ne pouvez pas le louper. Mais attention, depuis l'évasion des Trigènes, ça fourmille de patrouilles dans le coin. Bien sûr, il n'a pas pris la sacoche de soins. Voilà. Bon bah je suis content, là la manière discrète ça avance vite, donc peut-être que si j'arrive à... Non, 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 calme, calme, je crois que c'est le mec qui est là-bas qui me détecte, ah ouais. Tu me vois plus. Bon, alors il va peut-être falloir faire un peu de bruit, mais bon. C'était sûrement rien.
C'était quoi ça? Et merde. Oui, alors il y a le petit enfoiré là-bas qui est une Gatling. Ou une Gatling, un minigun comme vous voulez. Et le fameux mec que je vous parlais. Bon, écoutez. Wouh, on se barre. Oh oh. Chute dans le trigène. Le nouveau jeu. Je vais chercher de l'aide. Oui, je viens de mourir par le trigène qui me poursuivait. Bon, on va reprendre ça de manière un peu plus calme. Ah, l'attaque! Est-ce que cette fois-ci je suis rentré dans les deux? Oui! Alors c'est clair que le fusil à pompe n'est pas très recommandé. Oh oh! Alors oui, un lance-roquette ça fait boum. Voilà. Sauf quand il est mort. Voilà. Faire le ménage, merde, c'est possible. À distance avec une mitraillette lourde. Voilà. Il doit en rester encore quelque part. Oh oh. Non, 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 il me reste un PV, il me reste un PV, il me reste un PV. Oh my godness. Merde, 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 il en reste un. Je vais sur le feu, je meurs. Et merde. Voilà, je savais, j'avais vu que tout à l'heure quelqu'un m'avait repéré, il restait un mec à zigouiller. Et bien sûr, c'est le dernier que j'ai pas trouvé. J'ai zigouillé le mec au lance-roquette? Ah bah bien sûr que non, sinon ce serait pas drôle. La musique ça fait super prédateur, n'empêche. Ils ne savent pas où je suis dans l'eau. Alors là, moi-même, je sais pas où je suis. Voilà. Je m'avais pas repéré, c'est faux. Et oui, alors d'ailleurs, il y a le véhicule qui a passé là. Okay. Alors lui, il est très intelligent, il sort de la mitraillette pour me tirer dessus. À ce titre, merci à toi. Alors, je vais m'occuper de l'homme au fusil de sniper juste en haut à gauche. Qui était là, s'il y est toujours. Mais non, pourquoi? C'est la deuxième fois que je meurs de la même façon. J'en tue un et là, d'un coup, il y en a encore un dernier qui ressort de nulle part. Bon, alors déjà, on va changer d'arme. Celle-là, elle a beaucoup plus de balles. Oui, bah oui. Oui, oui. Voilà, je vous avais dit que cette mission allait être longue. Et ce n'est que le début. Pas vous mentir non plus.
Mais non, mais je te tire dessus, mec. Tu meurs quand je te tire dessus. Voilà. Ne pas se faire repérer, ne pas se faire repérer. Oui? Non, c'est pire qu'un fusil de sniper cette arme, n'empêche. Et merde. Je ne me fais pas repérer, je ne me fais pas repérer, je ne me fais pas repérer. D'ici le mec me voit. Putain, il y en a encore un. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est le même depuis tout à l'heure qui me tue. Et je ne sais pas où il est, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'énerve. Je suis en mode gros rage là, oui. Oh putain, voilà. Alors là c'est bon, là, j'ai déjà trouvé le titre de cette vidéo. Fucking jeu de merde. Pardon. Ah, là je sais pourquoi je suis mort, c'est le mec, le fusil de sniper qui a réussi à me coller une balle. Si vous aussi vous avez vu la balle de lance-roquette traverser votre écran, aimez cette vidéo. Voilà, c'est lui qui m'a tiré dessus, qui m'avait bien... qui me l'avait bien mis sur le coup. Oh putain, et eux qui arrivent beaucoup trop tôt. Ah. Bon, je risque de bloquer un petit moment parce qu'en fait je peux pas vraiment changer la difficulté en mission comme ça. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, donc je sais pas si ça va vraiment changer grand chose de toute façon. Meurs, meurs! Pas moi, lui! Bon, je vais tester quelque chose. Bon, alors je sais pas pourquoi je ne cours pas. Il me détecte un ennemi mais je le vois pas. Il est dans l'eau. Alors si l'ennemi est dans l'eau, c'est normal qu'il me le détecte pas. Ah foutu jeu de merde. Bon, maintenant faut prier pour putain atteindre la maison. Parce qu'en fait, dans la maison, il y a du vivre, il y a de quoi vivre, il y a du soin, de l'armure, je pense. Enfin, j'en suis convaincu même, et voilà, faut que j'y arrive. Voilà, en tout cas, j'ai atteint le top maximum de morts que j'aurais pu faire dans une vie là. Là, je vais en mourir de toute façon.
Oui. Putain. Non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, j'étais en train de me pisser dessus là, très honnêtement, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Je veux dire, depuis tout à l'heure, j'y vais à la mode discrétion, enfin plus ou moins, oui, discrétion, et je galère comme un porc, et là j'y vais en mode gros barbare, genre John Rambo qui fonce dans le tas et tout, et ça passe, et ça passe. Mais elles sont géniales ces bombes fumigènes qui servent à rien, c'est dingue. Ouais, et moi j'y vais pile au moment où quelques... Ouais, tu vois plus rien, mon cul, ouais. Ah bah, de toute façon, vu le nombre de suicides que j'ai fait, là... Putain, mais j'aime pas quand il se planque comme ça derrière une brindille. Bon bah, vous savez quoi, je vais quand même récupérer le véhicule, je vais pas être con. Il risque d'éventuellement me servir. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas encore la fin de la mission, il reste encore une petite étape, une petite bonne étape que je vais essayer de faire en bonne et due forme sans trop de problèmes. Oui, c'est génial de rien voir à cause du viseur de merde. Normalement, si je ruse un peu, voilà, normalement je devrais pas pouvoir faire ça, mais quand on a un cerveau, on peut s'en servir pour le faire. Pour détruire le régulateur, il faut créer une inversion du flux trappeur. Trouvez d'abord le contre-maître. Voilà. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Je visais totalement à côté au début, donc bon, forcément, ça n'a pas porté ses fruits. Bon, au moins. Oui, je suis en train de tuer 50 mercenaires au même endroit, oui, vous ne rêvez pas. C'est pour ça que l'arme, le pistolet est bien utile. Voilà, là au moins il y a du vivre et il y a des soldats. Et il y a des munitions. Et il y a du blindage. Ok, en gros il y a tout ce qu'il faut. Castorama, il y a tout pour moi. Je vous l'ai dit, placement de produit. Hein. Enfin, même si c'est pas vraiment un produit, mais placement de marque aussi, pourquoi pas. Je vous répète au cas où, hein, c'est pour rigoler quand je dis ça. Hein, ouais. Mais bien sûr, Castorama me paye tous les jours pour faire de la pub sur j'allais dire sur leur jeu, mais non, pas vraiment. Sur leurs meubles qui sont présents dans leur jeu. Tous les meubles qui se plient, qui se cassent, c'est Castorama, bah oui. Alors il y a eu un petit problème pendant la vidéo, en fait le jeu a planté, donc du coup j'ai par chance récupéré, enfin réussi à récupérer la vidéo, et donc du coup je vais la finir parce que en fait le jeu a fait une fatale erreur, donc je sais pas à quoi c'est dû, enfin peut-être dû à Sony Vegas lancé en même temps que Bandicam, en même temps que Far Cry, en même temps que League of, en même temps que voilà, donc voilà, à mon avis ça devait être l'accumulation des programmes, enfin des applications, ouais. Lancer en même temps si vous voulez tout savoir, après je ne sais pas, je ne suis pas professionnel en la matière. On va dire que c'est ça, que c'était passager et que ça ne se reproduira pas, je l'espère. Puis je me suis dit, bon j'aurais pu éventuellement en profiter pour me dire, ah bah tiens ça me permettra de recommencer la mission mais en évitant toutes mes morts, mais non, je me suis dit, de toute façon j'avais promis un vrai let's play sans aucune... Bon, de toute façon je ne suis pas comme ça, du genre... Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que c'est reparti, que je récupère les 2-3 éléments, que je refais encore une blague vaseuse sur le fait qu'il y a tout l'équipement qu'il faut ici. Et on est reparti pour la blague de Castorama. Je suis pas drôle. Alors déjà, on va refaire les lieux. Alors si j'ai un bug ici, ça veut dire que c'est le régulateur qui pose problème. On va le voir très vite.
Merde, 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 merde. Remarquez à quel point ils me voient. Même ceux que je leur tire dessus, hein, ils en ont rien à foutre. Ah tiens, c'est marrant, ça me fait mal. Ah bah, c'est rigolo, tiens. Alors, bon, du coup, comme j'ai vu qu'il y avait... Oh, oh, oh. Des ennemis. Oh les bâtards, il y en a encore. Non, c'est faux, tu m'as pas vu. Je suis derrière un arbre, je suis bien cassé. Cassé, oui, oui, je suis bien cassé. Putain, je sais pas parler, je sais pas parler, excusez-moi. Je suis bien caché, putain. C'est pour ça que je n'ai pas de succès sur YouTube, je ne sais pas parler la France. Triste vie. Ah bah là, c'est toi qui as laissé tomber. J'adore les commentaires des mecs. Mange. Ouais bah là en l'occurrence c'est pas moi qui ai mangé, c'est toi qui as mangé le béton. Ouh, ouh. Oh mon dieu, un technicien qui me tire dessus. Avez-vous trouvé le contremaître? Il est là, allongé par terre. Je suis en train d'examiner les plans du régulateur. On dirait que les principaux embranchements sont dans les sections 4, 5 et 7. Oui, oui, j'ai su mes bottes sur son visage. Pénétrez dans le régulateur. Je vous indiquerai les endroits à atteindre. Bon courage, Jack. Attends, mais regardez la rotation de son bras, quoi. Oui, j'essaye de le faire. Je sais pas, c'est pas très idéal pour manger. Et encore un Joker, hein, je veux dire, il a bien les cheveux verts. Hein. Oh putain, alors lui, il sait tenir une arme, lui. Oh putain. J'attendais qu'il me tire dessus en fait pour voir s'il allait encore réussir à me rater. Allez, je vais pas mourir contre un mec quand même. Mais on ne finit pas cette mission sans une petite explosion. Voilà, c'était formidable. Allez, c'est parti. Non mais voilà, c'est la fin de la mission. Donc je vous avais dit que c'était une mission un peu plus longue que d'habitude. Ou alors en tout cas plus longue que celle qui a fait 10 minutes. Le bunker d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Ouf, 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 j'aime le lance-roquette. Ah, il y a des petites munitions planquées auxquelles il faut appuyer sur la barre d'espace pour y accéder. Je vous assure que c'est très compliqué. C'est ironique. Et voilà, je crois que c'est la fin de cette mission. Exact. Voilà, bah en tout cas, là on a pu voir un nombre record de morts. Franchement, si j'avais le temps et l'argent... Oui, j'ai pas besoin d'argent pour le faire, mais si j'avais le temps pour le faire, bah, je l'aurais fait. Je vous invite à le faire à ma place. En tout cas, là, il y a eu environ une dizaine de morts à compter. Pendant le long de la mission, hein, pas seulement l'endroit où j'ai galéré comme un porc. Je suis devant la salle des archives de Krieger. Ça y est, je suis entré. T'en fais pas, on pourra bientôt quitter cette île. Vous faites pas coincer, Val. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Oh. Maintenant, le premier embranchement doit apparaître sur votre boussole. J'intégrerai les autres dès que vous aurez trafiqué celui-là. Moi je dis c'est du clash là quand même. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette mission. J'espère que, bah, que ça vous plaît, que vous continuerez à regarder. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.